Alors évidemment, nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour sans Embrick qui est parti rager. Ah, effectivement. Rager son estomac ou rager vraiment? Non, rager son estomac. Évidemment, il est parti chercher du fil américain. Vu que oh là là. Américain. C'est un américain. Alors, évidemment, qui n'est pas belge? Ah, bonjour la webcam. Toujours aussi compétente, hein, voilà. Visiblement, alors, j'ai été chercher une gaufre, une galette au beurre. Ça, c'est ma mort. Bon, bref. Il fallait bien prendre un peu de sucre parce qu'en fait, ce que j'ai pu voir sur Twitter, c'est la vidéo de Hydro. Mais ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression qu'Hydro était en live, ou en tout cas, il streamait. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il a juste twitché sa vidéo avec la Force India. Parce que je pense qu'il était en Force India, du coup. L'accident à la chicane, mais en tout cas, c'était très drôle. Ça serait marrant qu'il filme son premier tour et qu'il le mette sur Twitter. Ah, bah écoute. Il a la liberté de le faire. Hein. Moi, je ne contrôle pas les médias, les réseaux sociaux, pardon. Oh non. Alors, pour ceux qui se posent la question, ils ont pris 5 minutes pour expliquer à Hydro comment brancher son casque sur le Discord. Oui, c'est compliqué. Hein, les youtubeurs, c'est un métier. Hein. C'est très compliqué. Hein. Et donc, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le filet américain. C'est un genre de steak tartare, mais qu'on trouve uniquement en Belgique. Mais c'est, c'est un concept, le filet américain. Bon, passons sur ces mondanités. Trêve de mondanité, comme dirait notre ami de Rire Jaune. Alors que j'ai des requêtes d'amis, vous pensez que je vais vous ajouter, vous? Ah, alors que ça, Jean-Michel Crash, ah là là! La webcam qui pète un câble. Pourquoi je fais Nelson de Montfort, ça n'a pas de sens. Terrible. Terrible embardé. Alors, il fait actuellement dans ce studio The floor is lava, comme dirait l'autre. C'est compliqué, quoi. C'est heureusement que j'ai Amélie pour me rafraîchir. Heureusement que j'ai un bouquin d'Amélie Nothon pour me rafraîchir. LOL. Belgium Power. Team Free Carandel. Emery qui va revenir genre, c'est en live, là? Oui, Emery, c'est en live. Oh, très joli. Le petit Roland McDan. Allô? Oui, bonjour. Oui, j'avais peur que le Discord avait planté. Oui, ici le ciel. Alors, ici le ciel. Ah, alors que je vois qu'on parle de film américain. Effectivement, l'américain qui est présent. Ah oui, 4 petites tartines. T'inquiète, le live m'a repris, hein, donc pour l'instant on peut parler tranquille. Si, je le vois, je suis pas con. Allez, merci, Belge. Zahut. Prends que ça tourne mal, MDR. Prends que le fil américain était du caca. Pardon. Le fil américain, si je peux faire un peu de pub de Raymans, pour ceux qui connaissent, sinon c'est Henri Boucher en France. Voilà. Du coup. Mais le mec est un community manager de qualité, c'est ouf. On va sur Rassroom. Je vais être sponsorisé sur ma prochaine. Ouais, on est sur Rassroom, comme dirait Guigui. Alors que je vibre dans tous les sens parce qu'en fait on m'a identifié dans une conversation sur Twitter. Et depuis tout à l'heure c'est vout, 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 vout. Plus de baffes, hein, comme on dit dans le bouchonnois. Alors, est-ce qu'effectivement, du côté de... La direction de course. Joue-moi du Chopin, effectivement. Est-ce que du côté de Rassroom, on est prêt? Alors, je sais que certains demandent un contenu particulier. En tout cas, tout le monde n'a pas tout. Alors que Tristan a une information, effectivement, puisque McLaren va reprendre un moteur Mercedes. C'est tombé il y a 5 minutes. L'AFP a fait donc une dépêche, mais merci pour l'info tout de même. C'est toujours... Non, mais c'est quoi ça? Je suis sympa. Aussi excité qu'un manouche au sein de la caravane. Ouais, ça me l'avait mis en commentaire, ouais. N'hésite pas à fermer Internet Explorer. Alors effectivement, il y a toujours des serveurs Xbox Racing sur PC, ça me ferait rire. Alors, les serveurs Race Room. On m'avait demandé du DTM. Il y en a un, Fair Drive à Zandvoort.
Zandvoort. Je déteste Zandvoort. Faut arrêter avec Zandvoort. Sérieux? J'ai beaucoup de mal avec Zandvoort. Ça dépend des voitures, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai quand même un message quelques instants quand même pour dire que Florian qui est donc Kamikaze, qui nous avait déjà soutenu, qui vient de nous passer un message. Mais une question me pénètre l'esprit. Je voulais savoir, est-ce que tu es en famille avec le pilote Eric Bale? Enfin, le journaliste Eric Bale, pardon. Qui, alors, dès que je vois un nom comme ça, ça me fait toujours tilter. Mais en fait, Eric Bale, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez moins de 25 ans, ce qui est tout à fait normal. Eric Bale était le Franck Montagny d'il y a 25 ans sur l'A5 en France. C'est lui qui était consultant de Jean-Louis Moncey de jeu, sur l'A5 avant que ça fasse faillite, et de Patrick Tambay. Donc si éventuellement c'est possible que tu me dis sur le chat si effectivement tu es de la famille d'Eric Bale, puisque fan de sport auto, j'en fais un peu aussi, donc voilà. Si jamais il y a lien, n'hésite pas à nous le dire. Alors Arnaud Caron, je t'invite à aller sur ma page YouTube et de simplement cliquer sur la vidéo qui s'appelle Bien choisir son volant, du coup. Je vois qu'il y a Zolder, effectivement, en DTM 92. 20 minutes d'entraînement, 20 minutes de qualification. C'est peut-être un peu long, les courses comme ça. Hein. Regardez, on a le Saxon Ring ici, on a Midoyo. Tout à l'heure, il avait dit quoi, Emric, du coup Du quoi Zandvoort, tu avais vu. Ah, DTM 2017, d'accord. Okay. Non, c'est parce que tu disais que je n'aime pas ce circuit, c'est pour ça que je dis ah bon. Bonne nouvelle pour Alonso et Van Dorn, peut-être, certainement. Alors qu'il y a la maman de JMJ qui dit « Viens mon Maxou ». Alors évidemment... Bonsoir à tous. Bonsoir madame. Je vous invite à me contacter en privé sur Facebook ou sur Twitter. Faut arrêter le McDo. Ah, oh, très bien. Je crois que vous vous adressez à Emric par contre. C'est du filet américain. Dit-il. Le filet américain. Bon, les bolos. J'ai le doigt sur le clic. Hein. DTM 2016, on nous dit Hungaroring. Puis moi, c'est pas McDo, c'est KFC. Un petit au cherche les bonnes, Maxime Monet, non. Excusez-moi, le DTM 2016, je suis le seul à pas le voir. DTM 2016, Hungaroring. Ce blanc vous était offert par... j'ai 5 minutes d'entraînement, 12 de qualif, 10 de course, gris inversé. Formidable, on est parti. Donc ça s'appelle Race Room DTM 2016. Et maman, elle a dit de pas manger la bouche pleine, c'est pour ça. Oh, mais arrêtez. C'est dégueulasse. Vous êtes écœurant, tel... Alors que Témano a fait ce que je ne savais pas s'il fallait que je fasse ou pas, j'avais un doute. Il l'a fait, il est... Pourquoi c'est américain? Parce qu'on trouve ça en Belgique. Parce que c'est une préparation qui dit ça en fait à l'américaine. C'est ça. C'est une sauce et voilà, c'est... Oh, c'est... Pardon. Alors du coup voilà, on a la confirmation par... Eh oui, tout à fait mon cher Léon. Ah. Nous avons donc la session qui a été lancée. Donc c'est du DTM, ça s'appelle DTM sur... On pose la question, Maxou, à quand un dashboard? Mais tu en as déjà un. Mais à quand? Mais à quand? C'est vraiment à quand F1 2016, lol. Je dis juste que concernant le dashboard, il est en budget préparation. C'est-à-dire que je mets un peu de côté. J'ai vu que pour 300-350 euros, je pouvais avoir un dashboard du côté de Sim Racing Hardware pour le PC Racer. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est très très loin d'être dans le budget, donc on va être très tendre. Donc à moins que j'ai un don de 400 balles dans la minute, ça va être compliqué d'acheter le dashboard pour la semaine prochaine. Donc non, pour l'instant on est sur de la petite économie. J'en suis déjà un petit 40 euros pour ça, en plus du reste quoi. Et un dashboard, tu ne confonds pas avec la black box? Ah, je sais pas. Non, en fait un dashboard c'est... Enfin pour moi un dashboard c'est ce que tu fixes à gauche et à droite du volant en fait derrière la galette pour avoir une boîte de boutons avec tout ce qu'il faut, un ignition, un starter, etc. Moi le dashboard c'est sur un écran ou la tablette, tu sais, pour avoir... Oui, un dashboard digital en fait. Ouais voilà, je pense, je sais pas la question c'était quoi un, du coup. Un dashboard digital, j'en ai déjà un, c'est... RS-Dash. RS-Dash, merci pour la vache. Alors je suis un petit peu comme...
comme Gilbert Montagnier, je ne vois rien. Ça s'appelle Race Room DTM 2016, normalement. Mais il n'y a personne de connecté dessus. Bah, je suis dedans, il y a 3 minutes. En essai, pardon. Info de session. Ah, je ne vois pas. Si, il y a Kevin qui est là. Kevin qui est avec nous sur le chat, déjà. Il y a Julien Chéin qui est avec nous, notre ami. Il y a Nicolas Decaillon. Alors, réponse aux deux questions. Pourquoi il porte des gants? Parce que déjà, pour son volant, parce qu'il y a une matière dessus, je ne sais plus le nom. Ça s'appelle du Suède, comme le pays. Suède, voilà. Qui se détériore. Ah oui, et je confirme, ça se... Et de deux, c'est très pratique. Comme moi, par exemple, j'ai les mains moites quand je roule. Donc quand tu fais des endurances ou des courses un peu intenses, tout ça, ça sert. Non. J'accepte ta déclaration si tu fais la blague que tu fais à chaque fois que tu dis main moite. Et les pieds poites. Voilà. Mais qui est ces hommes du Discord? Et la question de Pio, mais à quoi ça sert un dashboard? Alors moi le dashboard, je pensais que c'était écran digital. En fait c'est ta consommation d'essence, ton usure de pneus, la température des disques, température. T'as beaucoup d'informations comme nous avec Max, on utilise le RS Dash. On a même une télémétrie par exemple. Tu sais quand est-ce que t'as freiné, quand est-ce que t'as accéléré l'embrayage. Et c'est vraiment poussé quoi. Tu peux. Ça t'aide à savoir où tu perds du temps, etc. Moi personnellement ça m'aide à savoir la consommation de carburant et surtout en fait vous rendez pas compte mais quand je commente en direct une course sur F1, pas sur F1 pardon, sur Race Room, sur le dashboard en fait j'ai l'écart avec le nom du pilote devant et derrière et des fois ça m'aide aussi à savoir où j'en suis dans ma séance, il reste autant de temps etc. parce que j'affiche pas toujours tout à l'écran. Alors j'avais vu la question aussi qui était passée. Oui c'est Loïc Descamps qui nous a dit salut Maxou, quel type de volant tu utilises et grand merci pour tes vidéos. Alors déjà merci à toi. Le volant est un TS Thrustmaster TSPC Racer avec un TH8A comme boîte de vitesse et un T3PA Pro. Mais si tu veux avoir tous les détails de tout, tu as juste en dessous du direct de la vidéo, tu peux retrouver évidemment tous les liens nécessaires avec le détail du matériel, de ce qu'il y a dans le PC, de ce avec quoi je stream, les écrans, les claviers, tout ça. Le clavier en tout cas et tout le reste. Ah, y a un souci mon cher Luc? Non, je viens de voir une question sur le Discord. Kali qui dit Maxou, est-il possible de parler de toi, enfin de toi, de la BOP en WEC et en GT3? Ah, bonne fin de live. Voilà, elle favorise les écuries qu'il ne faut pas. Voilà. Ford a perdu le Mans à cause de ça et je vous déteste. Bonsoir la CEO. Ferrari. Je déteste ça. Bah c'est simple. Si je dis pas de bêtises, attends. Ce qui est. Ah oui. Voilà. Attends. Sur les 5 marques représentées en GTE, il y en a une qui était favorisée. Voilà. Ah, pour le nom Bale, on me le demande aussi souvent, mais par rapport à Jean-Michel Bale en moto. Alors du coup, j'ai pas vu ta réponse. Mon cher Cool Trickle, est-ce que tu peux remettre du coup si avec Eric il y a lien ou pas du coup? Il reste 18 secondes, on va passer après en qualif, évidemment. Alors Thomas, l'intro en fait, faut savoir c'est que l'intro c'est pas moi qui roule, c'est une intro que j'ai trouvée. Et je salue mon ami Alpha Design. Allez voir sur YouTube un mec qui s'appelle Alpha Design, qui fait beaucoup de live en fait, qui est un monstre en 3D et qui tout simplement va me réaliser une toute nouvelle intro qui est en préparation depuis mois de mars et qui devrait, je parle au conditionnel bien entendu, devrait arriver pour la fin la fin juillet je crois, parce qu'il est en fait il est en période d'examen, il a 18 ans. Et je le salue. Alors je tenais aussi à passer un petit message parce qu'il est minuit 55 et c'est désormais officiel. Il le déteste. Mais je vais le faire quand même. Ah. Je souhaite à notre ami Max Bonetti, alias Doc, que vous connaissez bien, un joyeux anniversaire. Et je vous invite donc à vous rendre tout de suite sur Twitter. Sur le compte Twitter @PitLaneRacing. PLC, c'est ça, hein, PitLane. C'est PitLane Championships, je crois qu'il s'appelle maintenant. PitLane Championship, @Pit-Lane Championship. Et lui, c'était joyeux anniversaire, Max, de la part de Maxou. Je compte sur vous, évidemment. Ça m'étonne d'ailleurs que ni Emric ni Andy n'ont pris le temps déjà de mettre son lien sur son. Non, bah, j'ai rien dit. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai envoyé un message sur Facebook. J'ai dit, les gars, c'est l'anniversaire du Doc. Et puis voilà. Bon, j'ai bien évidemment déjà envoyé mon petit message à Doc, soit quoi il m'a répondu. Enfin, pas un compliment.
Voilà, on est tous très copains, donc forcément, bah, ouais, avec, oui, avec les petits messages qui s'en suivent. Soit quoi, il a dit, je retourne travailler. Voilà, donc... Il bosse en plus, le pauvre. Le pauvre. C'est pour ça, allez-y, tartiner son Twitter, ça lui fera bien. Pas plus tard. Alors, l'Aston n'a pas 10 ans, elle a 9 ans en GTE. Et comme quoi, les vieux moteurs marchent mieux que les nouveaux. Fonctionne, en tout cas. Oui. Moi. Il avait OP pas si mauvaise, les chronos en qualif au moins étaient quand même très serrés. Oui, mais quand tu joues au jeu du chat à la souris en disant « Oh là là, ma voiture elle va pas bien, vous avez vu comment elle est pas performante » et puis qu'en course tu dis « Oh, oh bah dis donc !» que 3 heures avant la course tu changes la BOP. Bon, finalement elle marche mieux, c'est auto. Bah voilà, c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Enfin, tu le fais à l'avance, ok, mais si je peux toujours la BOP. Moi je suis pour la course à la performance. Pourquoi ça rame ? Samus ? Salut Adi qui va faire dodo. Alors est-ce qu'il reste des places dans le serveur ? Eh bah non, c'est plein, donc je peux pas quitter le serveur. Ah c'est dommage, j'ai de la latence. Ouais mais Fabien, ça prouve que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ah, oh, elle est placée celle-là. Voilà. C'est pas les meilleures soupes. Non, les confitures, c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleurs potages. Les meilleurs. Bon écoutez, on n'est pas dans Vivement Dimanche, hein. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs matchs dans les orties. Avec l'eau du bas. Pardon. Alors dites-moi si le live est fluide, parce que personnellement j'ai énormément de pertes de FPS sur Race Room. Oh. Et j'ai pourtant un CPU à 30% et un GPU à 35%. Non, je vais pas au Grand Prix parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est et que c'est pour voir Stoffel casser au bout de 5 minutes, hein. Allez, allez. On entendra Gaëtan Vigneron brûler toute son installation. Oh bah s'il veut brûler ce qu'il y a dans la cabine, y a pas grand chose, hein. Ah bah y a le mec qui répare, y a le mec qui répare le micro sous la... Nous avons un technicien malaisien entre nos Christoffel, c'est catastrophique ici, on essaie de nous réparer notre écran pour voir ce qui se passe. Attendez pas votre chaise. Regarde. Ah Gaëtan, tu vas nous manquer le jeu, le jour où tu vas arrêter. Ah j'espère pas. Ah si, un jour. À la place, on verra peut-être Maxou. Si seulement. Le jour où Gaëtan arrête, c'est qu'il est mort, parce que... Même il a un accident sur la... Sur un tonneau sur le ring de Bruxelles, il est à l'antenne, hein. Malek. il le prend aussi en photo. Ça lag pas, ah, ok. Bon, si moi je ne sais pas rouler, c'est pas grave, c'est surtout vous. Surtout qu'en plus, c'est l'un de tes circuits préférés, le Hangar Ring en plus, Maxou. J'ai rien contre. J'ai pas la réponse. Non, mais c'est... on avait parlé il y a quelques jours. On avait parlé des circuits qu'on aimait bien et tout. Mais pas forcément. Ah non, j'ai pas une affection particulière. J'ai une infection particulière. Ah, une affection particulière. J'ai très peur. Madame qui m'envoie des chaussures de bébé. Je lui dis c'est d'annonce ou... Non, mais je deviens papa sur un live MDR. Oh, ce serait drôle qu'elle t'annonce que t'es papa en plein live. Attends. Emery qui va finir, il va partir 22ème, mais il sera rassuré, tu vois. Toutes les personnes sur le live deviendront parrain. On l'appelle Lara Hydro. Ah, ça va, c'est bon. Je suis pas papa, tout va bien. En plus, elle me répond non, lol. Non. Et voilà, on reste dans la trajectoire comme un bolo MDR. Je vais rater un tour 2 pour le pic. Salut. Vraiment sympa le son sur... Oui, Fabien, c'est le meilleur jeu avec le meilleur son, je trouve. Alors à tous ceux qui disaient que iRacing a un meilleur son que Race Room... Non. Allez consulter. Vous voulez avec la BMW du DTM 92 et les deux jeux soir. Ah, si t'as des places pour les essais, oui. Du Grand Prix. Mais moi, je j'ai pas le budget pour aller voir le Grand Prix de Delphi. Je
alors qu'il est demandé à Julien Shane d'arrêter son... Son tour trop bon. Julien Shane, si vous ne connaissez pas, il est parmi les top pilotes du championnat e-sport WTCC. Il était en division 1 la dernière fois. Salut Kevin. Joker. Joker. On aurait dit t'avais dit Joker. 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 Entre les 18 cas, Anti-le-sel et Auric, le vrai faux papa, on s'en dit pas. D'ailleurs, n'hésitez quoi pas. Abonnez-vous. Hashtag Embrick papa. Non, non, c'est faux. Pas de fausse blague. Tu nous surestimes avec le top du top. J'ai un peu eu du mal là. Attendez, on va faire du rallycross sur Dirt 4 après, ça va être marrant. Oh, oh non! Gardez du sel, on dit en avoir besoin. Ah oui, n'hésitez pas à m'envoyer. Comme dans Dragon Ball, on envoyait l'énergie, bah là, n'hésitez pas à m'envoyer vos sels parce que je vais en avoir besoin. On a une phase! Oh my god! T'as les gens qui disent, enfin t'as ce truc à l'ego qui fait le son, non mais la physique, bah oui forcément les racines, la physique. D'ailleurs ça fait très mal. Blue flags, blue flags. C'est ça, ça c'est moi. C'est combien par curiosité une passe de F1? Je sais pas, c'est-à-dire le plus bas, t'es à 125 pour les 3 jours, sans le temps payé. Et la tribu Stoffel là, enfin, pour les jeunes, c'est combien? C'est ça, 125 euros pour 3 jours à brancher. Avec un DJ qui vient à chanter. Qui vient de me rentrer dedans? Ça m'a mis un petit boost. Ah, Dread, non, c'est pas envoyé vos selles, 2 LES. Hein. Parce que ça, par contre, c'est un peu. Comment dit-on dans le métier? Dégueulasse? On a plus de vélo. J'ai vu dans le vélo. Ben salut du coup Dread qui fait bicyclette. Salut Thomas qui bonne fin de soirée les amis, finissez bien. Ah bah bien je sais pas mais finissez bien. Ah à finir sur Aceto. T'as pas avec du Dirt aussi après ça. Ah on dit Aceto et Dirt et Aceto là c'est loin. Bah le Saint-Sel va être présent. Les selles de bas et vrai. Mais j'ai rien vu. La sainte baleine. Oh le sel que Gavin s'est fait ça. Oh putain gros sel, merde, c'est trop. Ah bah si, t'as tué. Tu fais ça. Les gens, ça mouette. N'hésitez pas. Non mais il va sortir chaque tour devant moi lui ou quoi? N'hésitez pas à énumérer tous les types de sel. Ah, on a eu droit à une Pastor Maldonado. Il a tourné, il a pas vu que le virage arrêtait de tourner. Celui qui sortira le meilleur nom de sel gagnera son poids en sel. Tu as Tristan qui dit Maxwitch, il est prévu de faire un live sur Xbox One. Pas prévu, mais c'est dans l'idée. Ah c'est de l'historique, bah c'est ça les 3 heures, j'ai vu les voitures, c'est ça que je... C'est pas le Spa Summer Classic. J'ai vu... J'ai failli citer un nom. La direction de course Camille qui a fait un live et j'ai vu des vieilles voitures, c'est pour ça que je me dis oulala, c'est quoi... Est-ce que c'était un live avec un produit récit? Non, c'était un... JM, si ça te rappelle quelque chose ou pas. Oui. Je suis désolé à la personne verte, sorry. Mais tu es un bon coup, voilà. Au moins c'est... L'homme il insulte mes abonnés au calme. C'est pas les miens. Tu peux me faire dégager. Oh shit toi. Alors, la sonnerie de rentrée et de sortie des box on l'entend bien. Hein. C'est quoi c'est le... La petite alerte sonore quand une voiture rentre dans les box. Parlant de ça, niveau sonore, la Audi R8 LMS sur les racines, le son quand tu descends et tu comptes les rapports, le truc électronique là, ouais, tu bien. Ouais. Comment s'appelle l'embrayage? Comment s'appelle? AD? À qui? À quand? Tu
peux refaire le bruit Emric? Non. Oui, parce que Andy adore quand je fais des bruits. Oh, j'adore, c'est pas forcément que j'adore. Alors que sur le Discord, on a un débat en GPE. Je ne suis pas du tout, lol. Allez, je suis quand même, moi, parce que le GTE, c'est... Voilà, c'est une catégorie que j'apprécie. Je me Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust. MDR. Merci pour l'humour. Bon tourne. Je suis à vous, en direct dans le camion, à vous voir en live. Oh, c'est beau, ça. Nicolas 19, apparemment. Est-ce que tu peux nous faire un tweet avec le bon gros coup de klaxon? Alors que j'ai je viens de dépasser mon confrère avec la BWT. La Reiki Maru, excuse-moi si je prononce mal. Maxo, si tu comptes faire une nuit des abonnés sur Xbox One un jour, sache que ça me ferait plaisir de t'affronter sur Forza 6. Ça sera peut-être sur Forza 7. Oh, alors, j'ai jeté un froid, pardon. Fabien Levent qui dit que ce serait sympa d'avoir des serveurs sur e-racing entre viewers de Maxou, moyennant participation financière. Mais enfin, en tant que fan de ces soirées-là, on s'engage quand même. Enfin, moi personnellement, je m'engage, si un jour c'est possible, de pouvoir le faire, oui, carrément. Notez-le, s'il vous plaît, enregistrez. Ah, mais c'est du record, hein, le live est record. C'est-à-dire que je m'engage à moyenner les moyens au moment où on le fera, pour avec plaisir. Ouais, ça serait vraiment cool. Du moment que j'ai une Ferrari, je pense. Et à partir du moment où je gagne, par contre, bien évidemment, je paye donc je gagne. Un Maxou, je gagne. Hein, ah, il dit désolé les gars, j'ai pas de Twitter. Attends, pas de Twitter que Facebook, mais le cœur y est. Et de rien. C'est l'homme camion, je vais t'appeler comme ça, Nicolas. De rien, Nicolas. Maxime Monet qui dit Andy qui fout dehors, je viens devant moi. Prends une photo, Twitter. J'ai foutu quelqu'un dehors, moi. Vitesse automatique au manuel. Manuel, Louis Laurent. C'était Julien avec la voiture verte. Mais on me dit rien, moi. Ah bah, moi je sais pas, moi j'ai pas les noms. Merci à Nathanaël pour son don, justement. Continuez comme ça les gars, super les vidéos, c'est super drôle. Bah, merci à toi pour ta générosité Nat, c'est super cool. Bravo pour l'argent. Bravo pour l'argent effectivement, on dirait Mister FV. Ouais, donc toujours on est en manuel, évidemment. Vous n'avez pas de footcam parce que je ne fais pas d'ASMR sur mes lives, mais c'est marrant. Jérôme, est-ce que tu as reçu les vidéos, les photos? Oh putain, oh t'as... Oh. Oh, le mec qui ruine la vanne. Oh, les vidéos. Oh là là. Oh là là. Oh, oh là là. Oh, j'ai pas ça. On va avoir une grille complète, hein. 24. Non, faut payer. C'est quoi, c'est déjà votre truc? Ça s'appelle... Ouh, c'est incroyable. ASMR. ASMR. Ah, je sais pas. Max, il m'a fait écouter une fois ça, mais j'ai pété un plomb. Je ne supporte pas. Ah là là. C'est marrant, je l'avais mise la première. Ah, maman. Oh, c'est passé crème. Bon, je sais que j'aurais pu vous proposer un rétroviseur. Mais là, on fait ce qu'on peut. C'est compliqué. Hop, ça pousse derrière. On a beaucoup rétrogradé aussi. Hein. J'étais très très bas dans les rapports. Thank you.
Ah, on retrouve Maxime Monet devant nous. On a ouvert la porte. Le fameux panneau trop tard. Hop. Je vais le faire, comme on dit dans le métier, une Ricardo Zonta. Sorry. Allez, salut. J'ai retrouvé le bouton de mon DRS. Le DRS, on rappelle, à moins de 3 secondes de la voiture devant vous au passage du transpondeur, vous en avez 3 sur le tour. Il reste moins de 8 minutes. Le mec coupe des huîtres. Des huîtres. Alors que l'autoblip vient de me sauver la vie. Hop, on a failli la perdre. Toi, je l'ai envie de rouler, mec. Maxime Monet, lui, l'a perdu. Deuxième avertissement. Ça, des gens qui décritiquent dedans. Ouais. Ah, des bruits de bouche, de nourriture, c'est des... Ah, je suis pas ça. Concentration, moi, on n'entend plus de vannes. Ah, bah oui, Fabien qui a raison. Je me fais un malin plaisir à déglutir de façon totalement dégueulasse dès que je peux. Fais pas ça, pitié. Ah non, je le ferai pas tout de suite, je le fais que quand on est entre nous, mais... donner un petit push à l'avant-dernier virage, mais bon, à un moment donné, il y avait la place à droite. Hein. C'est du touring car. Voilà. Salut Loïc, un sacré mec. Loïc. Putain, on tryhard, mais c'est ouf. Y'a plus personne qui dit rien, quoi. Putain, j'ai la manette sur les joues. Ah non, pas la manette. Ah non. Pas toi, Zinedine. Pas après tout ce que tu as fait. J'ai la tête dans le guidon. Au bout, mon petit. Max, quel est ton youtubeur préféré? Antibuer. Ouais, c'est ça, ouais. Emric. Hein? Non, non. Emric, moi. Honnêtement, j'ai pas de youtubeur préféré. Hein. Il y a plein de youtubeurs que j'aime bien. Même pas JDG ou Link ou Terracine? Non, parce que j'en ai pas un pour qui je me mettrais à genoux.
presque oula. Le seul que je pourrais placer dans cette catégorie de dieu absolu. Mais non, mais... Voilà, je vous ai dit qu'il fallait pas que je parle. Maxime Monet, merci pour l'argent. Hein, qui vient de passer la chicane comme s'il était tout seul. J'ai envoyé une requête à Matsu sur Twitter cet après-midi. J'ai pris un gros vent et par Matsu, PLN. Requête ? Hier par Twitter, tu peux... Bah, c'est pas ça, c'est que sur Twitter j'ai tellement de notifs parfois que ça passe au mieux quoi. Ah oui. Oh et oh, Franconen il me dérange pas. Ouais, Franconen moi. Bon. Sauf quand il dit bonjour parce qu'il crie un peu fort et qu'il a pas de compresseur, mais à part son salut, il est génial, Franconen. Ouais, mais ah, un mix. Non. Ça, pas... ça dépend. Pas, il est pas dans ma liste d'abonnements, il est pas dans mes chers abonnements. Ah, c'est surtout ces vlogs que j'aime bien que ce soit. La fameuse référence aux chers abonnements. Bah oui. Ah, on est quand même 30, hein. Ouais, selon la police ou la CGT, parce que... Il a l'air d'avoir grand, là. Il a expliqué, des fois, il y a tellement de notifs qu'il faut pas répondre à tout le monde. Que penses-tu que tu pourrais faire une radio web, pas une radio, pour accompagner des courses IRL? Oui, en faire un style de radio Le Mans, en fait. Bonsoir, sérieux. J'aimerais bien, personnellement, j'aimerais bien, mais... Enlever le sport. C'est d'ailleurs une... Ne riez pas, mais c'est une des idées que j'avais, en fait, de créer ça. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Et aujourd'hui, avec Internet et tous les décalages, ça n'aurait plus vraiment de sens. Ah, mais c'est... Cher Julien qui est devant. Oui, il vient de faire le meilleur tour. Ouais. Allez, dernier tour. Ça rigole, zéro. Hop ! Allez, la petite surprise à la chicane. Hop là, hop. Et on réintègre le top 10 incroyable dans le dernier tour. Une P4. Le sel est rangé, le sel est dans le placard. Elle convient parfaitement pour toi. Ah, mais j'étais. Ah non, la P4. Pardon. Voilà. Merci pour l'humour. Mais tu m'as tendu un bâton, vieux. Connais-tu ATZ White? Pas du tout. Pas d'avis sur le Raptor Dissident.
Je... Oh Max, alors, je vous lis ce que Maxime Monet a mis sur le live. Andy, c'est comme Moïse, il écarte pour passer. Je tiens à dire que ce monsieur s'est mis dehors juste devant moi et que pour repasser devant, il a fait comme si la chicane, il la prenait tout seul. Donc, je tiens à dire que la personne qui est comme Moïse, c'est Maxime Monet. Et vu que je suis en vocal et lui n'est que... Et avec les gens dans le... Des cris, c'est plus facile pour moi de me défendre. Lol. Je pense qu'après votre course, je vais devoir vous laisser. Bon, allez, fini. Toi ? Ouais, là, je... La déchirance, Emeric. Ah. J'aurais pas eu tout ça aujourd'hui, la route et tout. Mais... T'inquiète. Ouais. Bon, je t'amène le frigo demain ? Non, je déconne. Ouais. Non. Non, je peux pas demain, je dois aller à Charleroi. Ah, ouais, demain, c'est journée aquarium. Ça va donc être une... Ta vie sexuelle ne nous regarde pas. Oh, du... Dans l'aquarium, dit. Ah, je vais... Allez, recruter. On en fait une autre sur Race Room ? Avec plaisir. Voyons voir ce qu'il y a de disponible. Ah, merde. Mon trou n'était pas coupé. Ah oui, il était beau, celui-là. Ouais, t'es là. Bon. Et sinon. Abonnez-vous. Il y a de la FRX. Ouais. Ah, bah sinon, il y avait une deuxième course dans le même week-end, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bon ? Oui, mais c'est pas grave. Aïe, 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 terrible. Leave les abonnés. Dommage. Leave. Ils sont rigolos, les mongolos qui savent pas qu'il y a deux courses. Bah là, c'est toi en l'occurrence. Ah, ah bah du oui. GT3 et du P2 à Understorm, ça va être bien ça. DTM 92. Un Zolder. Allez. Oh, terrible. Ah non, trop long. Oula. Sébastien Auger, qu'est-ce que c'est que cette photo là? C'est rigolo parce qu'en fait, quand vous êtes pote avec Emmerich, il vous dit des phrases qui vous font croire putain, il s'est passé quelque chose de ouf. Genre, il s'est peut-être tué ou quoi. Puis finalement, c'est « Oh, il a mis une photo de son chat !» Non, en fait, il a mis « J'ai déjà réalisé énormément de rêves, j'ai rencontré l'amour de ma vie, je suis devenu papa, champion du monde WRC, demain, un autre de mes rêves deviendra réalité. » Et il se prend en photo en Autriche, sur le circuit d'Autriche, enfin, ça se pourrit. Bah, il va rouler en F1 avec Red Bull. Oui, il y a une grande chance, oui. Comme, en Red Bull Ring, Ogier. Bah, c'est ça. Pour moi, il va rouler avec une Red Bull. Une Airbus. Un Airbus. Écoutez, il est tard. Ce live traîne. J'en ai marre. Oh. Un Airbus sur le circuit. Mais non, celui-là, il vole pas, il roule. Remarque s'il va jusqu'en Autriche avec le au Bourget, quoi. Ah bah en plus. Quoi hein. Le Bourget. Bon, du coup. Hein, quoi ce bailliage des enfers. Bah du coup, ouais, j'ai du GT3 et P2, mais Understorp, c'est injouable. Historique multiclasse, ça se passe encore chance, ça peut être fun, mais il n'y a pas grand monde. Mais avec nous, il y aura bien assez de monde, on va rajouter une quinzaine de personnes à nous tout seuls. Il y a du WTCC 2016, mais il est verrouillé. Apparemment, le son est trop fort comparé aux voix. Go sur le historique multiclasse. Hein. On est d'accord ? Ah, oh bah carrément. Durée d'entraînement 20 minutes, qualif. 20 minutes, course 30 minutes. Ah non, c'est un peu long ça. C'est un peu longué. Il y a de la KTM en dessous. Il y a de la Formule 3 à Zandvoort. Ah. Dans la KTM, c'est un peu. Personne l'a acheté. Il y a du WTCC 2016 et 17 à la Nordschleife. Non. Du DTM All-Star au Schlebon, non ? Ah, alors qu'on a le pauvre... Merde. Ah ! J'ai plus le pseudo. Ah, Touring Classic et DTM à Spa. Non, trop long. C'est long.
Il y a Théman au FIFA qui pose depuis tout à l'heure. Enthousiaste pour le GTR 3. Oui, oui, j'allais y répondre, mais malheureusement, j'ai été coupé, comme disait le rabbin. Non, effectivement, le GT 3, j'attends plus grand-chose. Je vais voir un peu ce que ça va donner en blanc-pain les 24 heures. Mazendorf. Mais on va voir un petit peu ce que ça va donner avec les R8, mais... Je sais pas s'il parlait pas du jeu GTR 3. Oui, c'est ça. Ah ! Non, mais attends, plus haut, j'ai lu pour les GT 3. Hein. Non, pour GTR 3. Ok, ouais, je suis fatigué, mon mauvais. My bad, ok, sorry, my bad. Ouais, bah GTR 3, j'attends la pluie, j'attends la nuit, j'attends tout ce qu'il y a dans Race Room en mieux. Oh oui. Calme-toi. Jour, nuit, je veux, la pluie, je Écoutez, on n'a pas grand-chose. J'ai de la Formule 3 à Zandvoort qui a l'air sympa. Pardon, j'ai une blague, mais un mot sur les tonneaux de Neuville à Ypres. Ça tourne. J'en voilà. Suis tout retourné, ouais. L'historique multiclasse, c'est trop long. Il y a le groupe 5, mais là, on va se tuer avec les... Antisémite rabbin. Et voilà, le point Godwin vient d'être passé. Salut Maxou, tu es en colère avec Projet de Car que tu n'y joues pas. Ouais. Il y a de la P2 voilà. À Zandvoort. Excusez-moi, je cherche un... Ah bah, bonne nuit, bonnes vacances. Ouais, P2 à Zandvoort, oui. Non, c'est pas possible. Bon, je vais me faire une tartine, moi. En attendant. Le chuchot... Oula, le chuchotagement totalement discret. C'est de la ASMR. Alors... Bah écoutez, la Formule 3 sur Zandvoort. Allô, Jérôme. Tu as reçu les photos sur Facebook? On est go? Sur le Facebook. Formula bah moi, Race Room 3, FR3 Cup à Zandvoort, y'a personne. Passez sur assez tôt sinon. Est-ce que je vais l'enfoirer, je prends la 17 ou pas? Fais pas ça. Ou je viens te taper. Je préviens. S'il y a une personne qui prend la 17 avant que je l'ai prise, de toute façon, je peux la prendre. De toute façon, je suis bête, il y a les doublons sur Race Room donc. J'allais dire, t'aurais pas dû le dire parce que sinon, on va faire. Il y a les restrooms. Il y a les. LOL. Il y a les doublons. Et une partie sur iRacing? Non. iRacing. iRacing. Bonne nuit, Zoltan. Désolé, mais c'est très chaud de trouver des sessions sur Restroom, sur Aceto. C'est très compliqué. La pisse. Il reste 4 minutes d'essai. C'est parfait, ça. Allez, venez nous rejoindre. Donc, on est sur Restroom Aceto. Pas du tout. À Zandvoort en Formule 3. Non, PPVP. Pas d'iRacing ce soir. PVV? Non, PVV. C'est le vrai? C'est le vrai? Comment va Ziv? Oh oui! Vous êtes dans ma piscine encore! PV Nova. Ah, il n'a pas la référence, c'est dommage. Mais pourtant, il l'a vu, il lui a dit bonjour quand on est allé au club PV, mais il s'en souvient pas. C'est dommage parce que, tiens, on aurait pu rigoler ensemble, mais non, il y a forcément le couteau qui. Répète, je suis fatigué, vieux. Hein. Répète, vas-y. C'est PVV. Pierre-André! Ah oui, qui était là-haut avec sa peinte et qui nous a totalement... Non, voilà. Emery qui lance des... Il lance des insights du YouTube game. Edouard qui dit ça a l'air tellement compliqué de tenir ce live. Oui. Oui. C'est un plaisir. Surtout quand tu t'es tapé 6 heures de route aujourd'hui. Ils sont rigolos. Créer un serveur, c'est bien dans ce cas-là. Oui, mais celui qui crée le serveur, il va aller se coucher à la fin de la course de F3. Son cerveau va rage-quit à Emric. Ploum. Ah là. Emric, moi, Exia, si c'est fonctionné. Erreur 404. Touloum. Emric, la passe virale VPS, faut-il d'aller vous faire voir. C'est bien les petites minutes d'essai, ça permet à tout le monde de se rejoindre. On est déjà 10, c'est cool. N'hésitez pas à vous joindre. Une partie sur Dirt 4, yes! À mon grand désespoir. À mon grand sel. Qu'est-ce que tu reproches à Project Cars? C'est que je ne vois pas. Le seul truc difficile, c'est tous les cibles le live en même temps. Est-ce qu'on repartira sur F1 2016? Non! Ah, et rebonsoir, Marion. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'info ou pas? Parce que 500... Enfin bref.
Assassin, c'est lié à quelque chose. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est une connerie. Je sais que erreur 502 ou 404, c'est bah, la page qu'on a pu trouver, mais. Mesdames et messieurs, Américains. Ouais. Non, j'ai pas du tout compris ce que de quoi tu parlais en fait. Erreur 501, 501, c'était c'est un message sur le TS, sur le chat. C'est pour ça. Ah mais c'est pas grave. Je vais rester là où je suis. Allez-y les gars, avancez parce que je vais rester là un moment. Je vais regarder comment ça a l'air pas mal. C'est le nom d'un régiment. Régiment, tu sais ce que c'est quand même. C'est un régiment de fromage blanc, MDR. Oh là là. Alors après le Hakan, nous avons désormais droit à un retour sûr. Hakan, retour sûr. F1 2016. C'est pour faire avancer le schmilblick. Le schmilblick. Je suis très fatigué, les amis. Là, c'est la nuit des abonnés, mais c'est la nuit du sel. Hein. Combien coûterait ce room? 400 euros. Il est gratuit, c'est juste les DLC qui sont. Y'a que des bolos comme moi qui l'ont acheté il y a 3 ans à 400 balles. Bonjour. Ah, la caméra n'est plus buggée, mon cher Andy. Ah non, tout va bien, ça va mieux. Y'a que des bolos comme d'autres pour continuer à acheter le contenu avec son propre argent. J'achète toutes les voitures Taïwan. T'achètes? Ah oui? Ah, y'en a qui ont une trop. Pardon. Oh là là, oh là là! Oh là, là c'est pas trop loin. Oh là là, je me plante! Je quitte cette séance d'essai. Allez, on va partir sur la calife du coup. Oula! Laissez-moi juste le temps de kicker, Emric. En fait, le jeu complet, il est dispo pour 93€, je crois, ou 91€. Si tu n'as rien du tout, tu peux tout acheter pour moins de 100 balles. Je sais pas si c'est un truc nouveau ou quoi, mais je me suis planté dans le mur et j'ai juste perdu l'aileron avant. Ils auraient bossé sur le jeu, non? Non, hey, non, non, hey, Restroom, vous nous faites pas des blagues comme ça. On n'a pas l'habitude, les gars. Il y a eu un patch tout à l'heure. Hein. Et bien, en tout cas, je sais pas si ça a été travaillé dessus ou quoi, mais très bien. 400€, tu as iRacing complet. Pas du tout! Ah oui, j'allais dire, fou. Tu peux faire au moins x2. 400€, tu as une voiture. Pardon. Maxou, est-ce que Porsche sera dans Forza 7 directement? Oui, il n'y aura pas de DLC. Honnêtement. Le pack complet pour 85€. Mais il va y avoir les soldes Steam. Regardez un petit peu, ça risque de tomber là. Oui, il y a déjà des. Vous avez les DLC qui sont directement sur Steam du Restroom. Je pense au WTCC, au DTM, des trucs comme ça. Ils sont en réduction. Vous avez le DTM Experience, WTCC, je crois que c'est tous les années en plus. Alors attention, j'ai une question. Mathieu Carly, salut Maxou, que penses-tu du présentateur sur RTBF de Formule 1? J'aime bien ce présentateur. Et c'est un génie ce Gaëtan Vigneron. C'est meilleur que. Enfin, moi j'aime bien, j'ai respecté. C'est tout. Il mixe, le mec il est tout seul, il arrive à tenir. Ah bah depuis que Thierry Tassin s'est fait remercier de la RTBF pour petit souci personnel, rien de grave, hein, voilà, il a été remercié des commentaires et c'est vrai que depuis il a dû faire avec des consultants qui n'étaient pas toujours très voilà. Aïe aïe. C'est quoi cette balance de frein là? C'est quoi cette balance de frein sur la F3? Ah, elle est un petit peu trop sur l'arrière. Tu vas avoir des problèmes à la Grosjean. Peu de chien. Alors j'ai actuellement 15 FPS, hein, c'est très compliqué. Ah ben, ça va arriver, Beam NG Drive.
sur la chaîne, il va y avoir du Bimenji pour les grandes vacances. Ça va être un peu le défouloir, un peu comme là au bout de la ligne droite là. Avec les pilotes qui se mettent dedans tout seuls. Je viens de passer pas loin. Oui, il ira cette fois, je te jure. Repars en moi, tu te mets tes 30 balles du circuit, puisque les voitures ça dépend, mais. Pas énormément, je crois. En fait, les voitures, c'est plutôt les circuits. Hein. T'achètes ce que t'aimes bien dans ta catégorie. T'achètes une voiture et après, tu te fais vraiment plaisir avec les circuits. Il y a de la recherche de trajectoire. Hein. Dans le secteur 2, il y en a qui sont là, ils font des petits spins là. Je le répète perso souvent, mais si vous voulez vous mettre à iRacing, parlez-en autour de vous parce que vous avez la possibilité de parrainer quelqu'un et la personne gagne 10$, pensez-y. En résumé, si vous êtes deux à vous inscrire en même temps, prenez l'adresse mail de l'autre et au moment où vous demande, vous connaissez quelqu'un d'iRacing qui peut vous parrainer, vous mettez vos adresses tous les deux et vous recevez chacun 10 balles de crédit, ce qui est quasiment deux tiers d'une voiture ou d'un circuit. Alors quand Andy Wheeler, on voit qu'il est un pilote professionnel de Formule 3. La pole infâme. La pole incroyable. Avec 3,57 d'avance sur Max Verstappen, le pilote. Quelle est la meilleure situation en Paris Racing? Air Factor 2 est très très bon, mais c'est une usine à gaz, hein. Faut avoir le PC pour le faire tourner. Moi par exemple, j'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner en DirectX 11. Faudrait que je refasse une installation propre du jeu plutôt que. Sérieux, des planètes d'un point? Non, en DirectX 11, y a pas moyen. Plus faire essayer. Ah non, ça fonctionnait pas, j'ai pas pu. Emmerich était venu dans le studio. Tester le triple screen à l'époque et Air Factor 2 venait de sortir sa mise à jour. Ah, c'est celle qui met à fond, gravi. Ah oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, au passage, si vous souhaitez aussi hein, faire un petit don, c'est toujours possible. On les lit toujours en live. Hein. Vous avez été plusieurs à faire un don ce soir. Et ça nous aide grandement. Merci beaucoup, grâce à vous. Ça va permettre de faire deux choses. Premièrement, varier le contenu iRacing. Deuxièmement, garantir un mois supplémentaire de stream. Et aussi, améliorer la qualité de vlog à Spa. Parce que j'avais besoin d'un petit budget de quelques euros pour acheter simplement une batterie supplémentaire. Donc pour filmer les vlogs avec la caméra, ce sera du très bienvenu, même si c'est que 7 euros, hein, j'ai besoin de pas plus, mais voilà, avec les dons que vous avez fait ce soir, je vais pouvoir vous proposer encore des trucs, et merci à vous. Et au-delà des dons, merci d'avoir été là, parce qu'un vendredi soir, fin juin, en plein milieu de séance d'examen pour certains, avec bon, le bac c'est un peu passé, mais il y en a encore qui révisent beaucoup, c'est pas simple, la chaleur aussi, donc là voilà, vous êtes encore... 150 en ce moment, il est quasiment 2h du matin. Donc ça n'est pas rien. Donc juste merci beaucoup en fait. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part. Ben merci quoi. Juste merci. Merci à Hydro aussi qui a joué le jeu. Merci à tous ceux qui ont passé aussi du côté de la libre antenne. C'était tout ça. Oui, Brick, une réaction sur le chat? Non. Oh là là, le cap. Emmerich qui pendant le temps s'amuse avec les jeux du live. Bah oui, il faut. Je suis tellement nulle part avec cette F3. J'ai un ami mécano en way qui m'a dit sans vous, on est rien. Donc il faut parler avec les gens. Faire vivre la passion et discuter avec les gens. C'est un Valentin qui
qui est passé 5 heures avec Max? C'est moi. J'ai pas pensé l'histoire d'un dit là-bas, bon courage. Et c'est pour qui des rattrapages aussi? La F1 2017 sur les deux, la semaine prochaine, Max, où ça ira? Alors, c'est quoi ces décrochages soudains? Bah, bonne question, c'est la F3. Ils sont la semaine prochaine, chez la SFM, ou c'est juste une preview? Si je dis pas. Le 1.4, je crois, sort fin de semaine prochaine. Non, mais c'est la Factor 2. Ah, 1.4 est sorti aujourd'hui. Ah, la 1.4 est sorti aujourd'hui, je l'ai testé, elle est très bien. Pourquoi plus de mode à la mode? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus de mode. À la mode. Le mode à la mode, il n'y a plus de mode. Il n'y a plus rien qui sort en mode. Un mode, c'est une saison complète. Hein. Un mode, je rappelle, hein, c'est pas juste une caisse qu'on peut avoir dans Onboard ou qu'on avait dans Track D. Excusez-moi, je suis en prise avec... On s'en fout, mec. Oh! Mange juste que. Ah non, justement, c'est ça que je dis. C'est vif, c'est sucré, salé. Tu sais pas de quoi il parle, je l'entends pas bien, mais il parle de trucs sucrés et salés, c'est dégueulasse. Salé, moi j'ai de bon parle. Ah ouais, ouais, toi le salé, tu maîtrises, hein. C'est ton, ton goût préféré, hein. Alors, il y a ACFL qui met la bêta 2017 sur RF2 avec la Ferrari uniquement, mais les autres voitures seront rapidement ajoutées au fil des mises à jour. C'est Apex qui en a la charge complète. Ah ouais, d'accord. Et Maxou va tomber en panne d'essence. Bonne nuit, Bol le dangereux. Voilà. Il est bien le milieu de grille, Maxou. Pour une fois que je peux trash talk. Maxou qui se décompose. Ah, oh, t'as un Ricky Maru, je sais pas ce que c'est. Maxou, peux-tu nous parler du circuit, nom des virages, etc. Oh. Comment vous dire que... Comment vous dire que, à part la courbe de Tarzan, je n'en connais que très très peu. Ça, c'est un virage à gauche. Incroyable. Excusez-moi, j'ai un temps de latence, mon cerveau. Mais je commence à l'avoir aussi et j'en ai peur pour le premier freinage de... Clunk, trop tard. C'est ma première année des abonnés. Bienvenue à toi, Tristan Corbon. Ah, et Barbu du Soi qui avait dit effectivement, il avait prévenu pour la panne d'essence. Il est 1h43, on s'en fout des virages droite et gauche. Ah, tu sais que sur France 3 pendant les 24 heures de Spa, il s'en foutait pas. Hein. Il parlait pas pendant 10 minutes, et puis quand il parlait, c'est pour dire ah, il y a une voiture, elle est arrêtée. Et il reparlait pas pendant 10 minutes. Et la nuit sur France 3, c'était des... Oh mon dieu. Oui. Les 24 heures du Mans et France 3. Oh là là, une voiture tout droit, à gauche. Le live de la descente. Il y en a un qui souffle dans son micro, je crois que c'est Thomas. Ah. Mieux. Mieux. Vous avez le souffle chaud, court et humide. La nuit est chaude. Je n'arrive pas à faire un montant de 50 euros. Alors je te mets le lien tout de suite. Pardon. Et j'améliore, incroyable.
Et au moment où il dit j'améliore, je me mets dedans, quoi. Merde. Trop de manque de respect. Allez. Effectivement, si vous faites un don, il sera lu en live, hein, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à mettre un message, c'est plus important. Tout à l'heure, on m'a donné 2 centimes sur un don PayPal, peu importe. Hein. Solitaris qui vient de mettre une capture qui est absolument magnifique. Ah, je vais aller voir. Sur Twitter. Oh, c'est superbe. De moi ou quoi? De toi. Oh là là. Solitaris, c'est là où tu je t'aime. Non, Coca, pas d'e-racing ce soir. Pour la prochaine nuit des abonnés, certainement. C'est où que t'as vu ça en fait. On est encore trop jeune sur le jeu pour vous le proposer dans de bonnes conditions. On n'est pas assez familier avec le jeu pour avoir réellement une relation qui permettrait d'être à l'aise en live. Je vais voir si je peux aller chercher le petit Andy là. C'est Maxime Soldat. Je vois pas ce que t'as commenté, ce que tu disais sur Twitter. Je t'ai mis dessus. Il faut aider les personnes âgées sur Internet. Ah oui, trop et moi c'était pas. Il est bien aimé la gueule, Maxime. J'ai peur, je vous déteste. Ça part sur un fond d'écran. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train d'améliorer mon tour, c'est pas juste. Je suis une tribu. N'hésite pas à aller voir tes dons, c'est pas avant. Les dons ont été faits. Je vais aller voir sur Twitter. Ah si. Merci les gars de me donner du temps pour qu'ils fassent pas de double. Oh la vache. Bon là je peux pas faire mieux. Minutes. Je peux pas faire mieux que me mettre à une seconde d'Andy de 7 dixièmes, même pas 6 dixièmes d'Andy Wheeler. Qui s'est mis devant moi? Mais qui est premier? Ok. Ah il est magique. Ah il est magique. Il est bien le milieu de gris Maxou avec Matt. Non mais sérieux, non mais lol. Après, je sais pas pour Embrick, mais moi perso, j'ai pas le retour du live, je sais pas ce qui se passe. J'ai les messages, mais j'ai pas le live. Comment ça? Comment ça? J'ai pas les images, parce que sinon, mon race room lag un tout petit peu trop. Tu reçois plus les mails? Tu reçois plus les mails? Mais tu reçois jamais les mails? Allez hop! Oh là 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 là, la fatigance, évidemment. On vous demande de vous arrêter. Ah, apparemment, petit don de 2€, de quoi te prendre un truc chez McDo. Merci ACFL. Alors, effectivement, le don est important, puisque ce qui est très drôle, c'est que je ne l'ai pas. Ah. Visiblement, ma boîte mail m'a dit oui, il a reçu un don, mais il ne charge pas le mail. Ce qui est très drôle, c'est que depuis mon opération, en fait, 2€, c'est exactement ce que j'ai comme budget chez McDo. C'est-à-dire que moi, avec 2€, je prends un mini var pour un petit truc vraiment léger, quoi. Le mini bar, pardon. Non, merci donc à CFL pour son soutien, à CFL Modding. Donc il fait un mode F1 2017 que vous pouvez retrouver hein, en découverte sur la chaîne aussi. C'est absolument génial. Je sais pas, ça va faire la lèche, hein, mais... Les modes d'ACFL en général. Je vais être honnête, moi j'avais pas apprécié certains, mais c'était plus pour des raisons personnelles que j'aimais pas, etc. J'avais adoré la Gordini. La Gordini était excellente. La Renault 5, un peu moins. J'avais un peu moins aimé parce que ça me parle moins, quoi. Mais. Non. Il dit que c'est Kurt 22. Yep. Moi j'ai reçu F1 League. Moi j'ai reçu un don de 2€ d'F1 League. Après. Après, il y en a peut-être un autre qui va arriver, je ne sais pas. C'est la pluie de l'argent, évidemment. Abonnez-vous. Effectivement. effectivement, il y a un autre don qui vient d'arriver. Qui est de... Alors,
Oui, Annie Pujol pour... Pujol. Mais pour la location de la Ferrari, on fait comment pour Spa, pour le 24 heures de Spa, Max? Déjà, va falloir raquer notre place, Emmerich. Sérieux? Oui. Là, je me taille les veines. Abonnez-vous. Ah. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est sûr ou c'est une connerie? C'est... Info sûr, comme dirait Bibix. Ah, d'accord. Comme dirait Dorian. Petite saucisse. Tu n'entends pas, mais je me coupe les veines, là, en ce moment. Attention, dû à la fatigue, Maxou, tu vas avoir de la latence dans ton cerveau. Nous vous demandons de vous écarter quand il arrivera derrière vous. Merci de votre compréhension. Oui, oui. Enfin, à mon avis, il n'y aura pas grand monde qui devra s'écarter, vu que je suis P3. Mais... Ah, mais le mec, P3, quoi. Enfin, toi, tu es P2. Alors, je suis sur Ticketmaster en ce moment. Et donc, merci à Dale. Merci à Dale pour sa donation généreuse qui nous a dit un petit message sympa. Et paf, la panne de carburant. Avec un petit smiley. un petit smiley. Ouais, la panne de carburant, elle était belle hein, ce soir. Elle a été, je l'avais totalement ignorée. C'était là, j'aurais pu d'un coup, je fais. Ah! Ignorait. On part sur un abandon. Parce que ce litariste est complètement plié en quatre devant son ordinateur. Tu l'entends ça? Ça c'est. Ah, un faux gaming mec qui vient d'arriver. C'est mon mail et mon mot de passe. Pour aller payer les plaques. Les tu plaçons. L'entends le ACVEE 17KV 17KY. Ah là là. Merci Barbu du Swag, c'est gentil. Merci beaucoup. Nous allons donc avoir moult filles de joie aux 24 heures de Spa. LOL. Yes. Qui nous serviront des pizzas. Nus. Sur une bonne bête, comme dirait Frog du Bosque, le comédien. Pardon, excusez-moi. Oh non, mais c'est tellement injuste, j'avais repris la première place, reprise par Monts et Merveilles, incroyable. Oh là là, il y a trois... Oh là là, terrible Stoffel. Regardez juste là. Là. Il y a 3 centièmes de seconde entre les deux devant, là. Hein. Merde. Oui, mais le problème, c'est que l'un des deux devant, c'est moi et je suis derrière. C'est merde. Ah, vous êtes au courant que les 3 premiers sont en 5 centièmes? Je devrais faire un système de tips pour... oui, activate the bits on the channel. Mais merci en tout cas. Les tips pour les lives, effectivement. Ouais. La panne du carburant m'a fait penser à un moteur Honda qui explose. Non, Marian, non. Et j'ai failli oublier d'aller sur la grille. Oh merde, j'ai pas fait mon plein de carburant. On peut revenir ou... Aïe, 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 terrible. Non, tu peux y aller. S'il te plaît. C'est combien de tours, l'homme qui vient d'arriver? C'est 10 manettes. Et ça, c'est pour, le dernier lien que je vous mets. Je veux dire, je vous colle. C'est pour nous rejoindre sur Dirt 4 qui sera juste après, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Alpha Gaming, Remaxou, pas trop le temps de participer à tes lives, déménagement, donc il faut le temps de s'installer. Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, il y aura les VOD. Donc, si vous n'avez pas le temps, enfin, bon courage à ton papa. Mais voilà. Moi j'ai fait un appel aux femmes mais personne n'a répondu. Ah effectivement, si vous êtes une demoiselle sur le chat, n'ayez pas peur, on ne mange pas. Enfin, Andy, oui. Il y a personne ou c'est moi? Ah oui, d'accord. La grille est un peu vidasse. Alors attention, le départ incroyable. On a loupé, lol. Tu fais un tuto réglage trop pourri de gros. Je suis capable. Je suis enfermé, au secours, je vais mourir. Ça va, ça a lâché à la source. Ah, j'ai tellement eu de la latence au départ, c'est ouf. Est-ce qu'on a droit à un toujours debout sur le chat? Qu'est-ce qui se passe? Attention, retour en piste, c'est compliqué. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Emmerich? Non, je suis toujours en train d'essayer de sortir Ticketmaster.
mon mot de passe. N'hésitez pas à entendre la PLS dans les... La PLS du portefeuille des briques qui vient se délester de 60€ alors que c'était, comme qui dirait, pas prévu à cause de... Votre... Non, c'était pas prévu. Bah, les 70 boulets, ça fait mal. Ah oui, je les ai sortis en début de mois, ça fait mal. Yep, la chaîne Sim Racinger, la demoiselle habite à Hasselt en Belgique, je crois que je vais aller lui dire un petit bonjour. On y va à deux, hein. Ouais, non, mais toi, non, mais moi, c'est pour le travail. Ouais, moi aussi, c'est pour le travail. J'aimerais vraiment, franchement, j'aimerais vraiment l'interviewer parce que ça va être super bien d'avoir une femme belge en plus. Ouais, elle est turque, je crois, de base. Elle habite en Belgique. Ah non, mais le mec a des infos, j'en sais rien du tout, moi. Elle est A négatif, son numéro c'est le 04 72, tu es. Oh, 70. Ah bah si vous allez au Blanc-Pin en si vous allez au Blanc-Pin Et puis on sent. Si vous allez en Blanc-Pin en juillet, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour aux 24 heures de spa avec, avec nos petits camarades ici présents. L'alcoolisme sera de type présent. Et non, parce qu'il y en a qui roulent. Pas en Blanc-Pin, calmez-vous. Mais non, 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 déjà qu'on annonce. On va rouler au blanc, mais pas... il y aura peut-être plus de pain. On m'annonce en live 8 grands pilotes Sim Racing. Oh, ça c'était quand même la plus. C'est quand même la plus belle entourloupe qu'on ait fait de notre carrière à Emmerich. L'arnaque, oui. Piéger ce pauvre journaliste, community manager, qui n'avait rien demandé. Emmerich, il se met au Sim Racing en décembre. On se fait interviewer en mars. Je suis venu accompagné d'un grand pilote et l'autre qui commence à l'interviewer. Oui, alors Emmerich, toi qui es un pilote virtuel, tu connais bien évidemment les fonctionnements de ce monde et tout ça. Emmerich, il me regarde dans les yeux, je fais quoi? Je lui mens? Oh, c'est oh là là. Et le mec, il vient de finir de télécharger la démo de Gran Turismo 5 et là. Ouais, vous êtes. Sur son émulateur PS3 sur son PC, lol. L'émulateur, incroyable. C'est... General Friends plus pas de place. Personne n'en parle, hein, mais Andy est en train de foutre une douille à tout le monde. Hein. C'est les 67,50€, c'est ça? C'est ça, prends l'assurance quand même, en cas où. C'est le pass week-end plus paddock. Oui, c'est prends ça. Le pass... Ah oui, prends l'assurance annulation à 1€, ça pourrait peut-être t'en faire gagner 64. Oh, il va, de toute façon. Oui, mais si jamais, en dernier moment, il y a... Il y a renaissance de l'espoir, mon cher Emmerich. Toi, le mec a tout abandonné, genre. C'est grand mal. Et voilà. Alors, allez. Allez. Ah, merci Nicolas. On va aller voir ça. Si vous avez fait des dons, on ira voir ça après la course. Bien entendu, c'est le minimum que l'on peut faire. À vous délecter de quelques poulets, c'est quoi? Mon parrain ne voudra pas de la gerbe partout, pardon, qu'est-ce qui se passe? Dans le jardin en 24 heures, vous êtes prévenu. Ah non, mais on a déjà payé l'hôtel, hein, nous, ça va, hein, c'est pas. Est-ce que je suis pas en train de me faire rattraper par Rémi? Non, là, je déconne évidemment, j'ai avancé l'argent. Oh là là, si j'arrive à le finir celui-là. J'espère que j'ai avancé l'argent parce que ça me ferait chier sinon. Incroyable. Ah, terrible. Ils essaient de vendre. Non, Rémi, passe. Ah non, dommage. La Green Bull. Eh ben, on va sortir la visa. La visa. Je te veux si tu veux de moi. La ouais, parce qu'au cas où, si tu récupères une place en dernière minute avec... Ah mais si sur le circuit même, je fais comment? Je peux pas me faire rembourser.
Non, non, c'est sur le site, t'inquiète, le site te reverse l'argent, et ta place n'est plus valable. Ah, mais si c'est le jour même, on fait comment? Ah non, mais il me préviendra avant, tu sais. C'est... Pourquoi il t'a dit c'est sûr ou c'est... Bah, il m'a dit une peut-être. Ah, okay. Parce qu'en fait, en résumé, le patron s'est pas décidé. Oui, alors là, on parle en private joke, mais... En résumé, il m'a dit, le patron est pas d'accord de dire officiellement qu'on va pour le moment. Donc pour l'instant, on n'y va pas. Je fais, ok. Mais genre, les deux bagnoles à 200 000 euros qui vont y participer dans votre garage, vous allez en faire quoi? Pas 200 000, j'exagère pas. 600 000, R8? On les met sur mon coin, dis. Ah oui. Oh oui, Rogue, le bon coin. Oh, bah, je me crois pour un petit peu. Un dealer premier, c'est même pas le pilote de la safety car. Y a pas un problème dans la partie. Ouais, mais elle est random, cette liste, hein. Regardez, la preuve, je suis 5ème, c'est vraiment random, Zandvoort. Et Maxime Monet, P2. Ah oui, non, cette piste est vraiment random. Et c'est les pilotes de la F3, hein. C'est leur voiture, ils la connaissent bien. Hein. C'est leur voiture. C'est votre voiture, hein, on me dit. C'est votre auto. Je chuterai le 15 juillet les places. Yep. Si pas, t'iras demander s'il n'a pas des places, notre ami avec son produit Racing. Ah, peut-être ouais. Des soldes, hein. Je connais du monde. Pas que j'ai l'air con parce que si j'arrive, je vais. Non, mais en fait, y'a pas de place. Oh. Ah, je viens à l'hôtel avec vous, je me cache dans un sac. Oui, parce qu'on a réservé l'hôtel, hein, évidemment. Ah, oui. On s'y est pris très à temps pour les 24 heures de spa. Y a quoi, y'a une semaine et demie? Ah bah, c'est qui a pas appelé? Si, il a appelé. Quel hôtel pour les 24 heures de spa? Ah! Très bien, abonnez-vous. Alors évidemment, Valentin, ça n'est pas qu'on veut pas balancer devant 135 personnes que... Voilà, qu'on est là à l'hôtel. Qu'on va dormir à la Belle Étoile sur le toit de la Clio des briques. Mais... Ah non, ce sera un monospace ce jour-là. Je ne viens pas que ma voiture perso. Il est pas fou. Je défends face au mur tel Donald Trump. Et Donald Trump qui est un running gag récurrent par ici. Hein. Ouais, on aime bien. Hein. Ah, il est bon. Ah, avec oui. sa coiffure Racing. Avec sa coiffure Racing, ouais. Ça se voit à la couleur. C'est vrai qu'il est un peu couleur... Café. Pardon. Ah, non, ah bah non. Non là, pas trop. Là, pas trop là. Parce qu'il y a le gringo, il aime pas trop... Il y a de l'ambiance derrière ce mur jaune. Allez, sur ce, on va arrêter hein, parce qu'on va avoir un procès. Encore, décidément. En fait, si je vais prendre les places. Ah! J'ai peur de le faire. Je récupère un pied de podium incroyable! Merci, Blue Flag. Non, mais on va être honnête avec. On va leur dire l'hôtel, c'est l'hôtel de la source. LOL. Bah oui, 3 c'est... jours, hein, 24 heures de spa, l'hôtel de la source. Bah faites des dons, hein, parce que là. Avec ce que j'ai reçu ce soir, je peux quoi payer 2 Evian. Et encore, hein. Et je repars avec mes slippers, hein. Ah, les slippers, c'est décassé. Oh, il va rester 30 secondes, le tour de trop. Je sens que le tour de trop va me guette. L'erreur d'imprimer les billets, sinon je vais me faire tuer. Ah oui. Vu que c'est dans la chambre. Ah oh, le truc. Oh l'autoblip infâme. Et on est bien hein. Ah on est bien, bien. Allez viens, viens, on est bien. Alors je vous invite tout de suite après la course à ne pas quitter le serveur parce qu'il y en a peut-être une deuxième, lol. Ah, si vous tenez à votre e-rating. J'avais entendu Jean-François Charbon, le développeur de Raceroom, nous dire en porte dérobée qu'il y aurait peut-être un système de rating chez eux et sur P-Cars 2. Pardon, excusez-moi. Mais, je suis tombé de ma chaîne. J'ai un peu de mal. Non, on n'a pas encore roulé sur assez tôt. On va y aller juste après.
Là, je suis en train de résister pour prouver que j'existe. Ah, je me permettrai juste de faire un sourire satisfait. Voilà. Et on a donc Andy qui est en train de dabber sur Skype. Donc... Voilà, je me permettrai juste de faire ça. Ah bah, Bon, bah c'était une quatrième place. C'est pas la folie, mais voilà, c'est pas mal. Mais les trois devant étaient sur une autre planète. Donc bravo à Maxime et à Andy. Merci à tous. Du coup, je peux être interviewé ? Hein, j'ai gagné. Ah oui, bah tu te mettras dans la file derrière Zoltan. Très bien. Oh oui. Aïe aïe aïe. Guillaume, désolé. Je comprends pas. Andy, tu bouchonnais comme une pute. Absolument, moi je ne bouchonnais pas. Je gérais ma course, la preuve, j'ai gagné et tu as fini derrière. Voilà. Les rageux restent là où ils sont. Moi j'avance. Voilà. Les rageux bavent, les jaloux parlent, les vrais se taisent et admirent. Pas imprimé cette page, non. Hashtag Zera. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, un immense merci à Nicolas. Il l'a fait sur ton 50 boulets. Un immense merci à Nicolas. Nicolas 19, pour le citer. Désolé si je pouvais pas dire ton nom, mais... Salut mon Maxou, profite à fond de ce cadeau et pour le plaisir, à Dirt 4 serait top. Eh bien, Dirt 4, ça arrive, mais avant on va aller comme promis sur Assetto et on va terminer ce live avec Dirt 4. Donc merci et merci beaucoup vraiment pour ce très généreux don. Alors évidemment, je dis toujours ça avec un peu de retenue parce que évidemment c'est toujours difficile de dire quelqu'un qui se saigne pour te donner 2 euros. Et quelqu'un qui se saigne pour te donner 50 euros, pour moi, ça a la même valeur dans le sens où c'est le geste qui est important, vous voyez. C'est le geste et le fait de donner, voilà. Donc s'il m'avait donné beaucoup moins, je l'aurais pris avec autant de plaisir et autant d'émotion qu'un don généreux comme ça. Donc merci beaucoup, Nicolas. On fait la deuxième course ou pas? Écoutez, on peut la faire avant de partir sur Assetto? Je sais pas. Ouais, je suis pas bien chaud. Mais ok, voulez. Alors on abandonne les abonnés. Allez, salut, sur la grille, les feux sont rouges, au revoir. Voilà, allez, je vais aux Bahamas. Non, je plaisante. Attends, je fais juste en sorte d'être premier au premier virage, alors que j'étais dernier. De toute façon, mon cher ami, il y aura pas de témoin, donc ça va devenir compliqué, là. Voilà, je suis premier. Voilà, ouais. Tout va bien, maintenant je peux quitter. Alors si quelqu'un d'autre était avec lui, j'attends la preuve. Lol. Oh, pas de soucis. De toute façon, il y avait 4 personnes sur la grille, donc forcément, c'était simple. C'est plus compliqué, MDR. MDR. Attendez, je vais recharger avec vos donations mon compte sur Chaturbate. Oh. C'est une blague. C'est une blague, je vous rassure. Non. Alors, parlons-en. Non, parlons pas. Écoutez, si vous regardez cette VOD à 16h... C'est une blague, il est 2h du matin, nous sommes fatigués, j'ai une barre dans le crâne, j'ai soif... Tout va bien, n'ayez pas peur. Mais c'était une blague. On fait une pause et on va sur Dirt. Alors, il y a Pépé qui dit, bien sûr, 1 million d'euros, c'est pareil qu'un euro. Bah, pour moi, oui. Parce que pour moi, tous ceux qui font le geste déjà de se faire chier à donner, honnêtement, c'est voilà, c'est déjà énorme. Juste le geste de donner, quoi, voilà. C'est un sentiment qui est très bizarre quand les gens te donnent de l'argent comme ça. Oui, premièrement, c'est très bizarre. Et deuxièmement, ça fait énormément culpabiliser. Moi, je me sens toujours très... Là, je suis pas... Enfin, de toute façon, vous l'entendez à ma voix, je suis pas bien, ça, de base. Quand je reçois ce genre de montant, en fait, c'est assez rare. Je me plains pas. Hein. Mais pareil, quand j'ai vu le 100% sur le Ulule, quand j'avais fait le projet du studio, bah, j'ai pleuré pendant une après-midi, quoi. Voilà, j'ai juste chialé pendant l'après-midi en me demandant si vraiment, vraiment, c'est la vraie vie, tu vois. Si les gens y croient vraiment, quoi. Et moi, j'y crois vraiment, c'est ça. C'est que, voilà, c'est merci, juste merci, quoi. D'ailleurs, si vous voulez faire des dons, le lien est toujours dispo. Oui, alors, Rémi, Vandal, Rémi, je suis désolé, on se connaît bien. Désolé, il y avait Kiproko, Motroko, il y avait Kiproko et je ne t'ai pas vu. Je t'ai laissé repasser, mais t'as pas voulu passer, donc j'ai réaccéléré non plus. Mais voilà.
En tout cas, on va faire une petite pause pour faire plaisir en aérant le cerveau. On se retrouve donc sur Assetto Corsa. On va essayer de trouver une session. Je ne sais pas si Emeric reste avec nous ou s'il nous quitte pour se reposer. Ou tu restes avec nous, Emeric ? Je pense que je vais vous quitter par la suite. Là, je sais de trouver un PDF parce que j'ai reçu mes tickets, mais j'en arrive pas à les ouvrir. Voilà. Tu as reçu les photos sur le Facebook, Emeric ? Tu as reçu le PDF avec tes billets ? Ah, mais je suis nul. Bon, écoutez. On va faire une petite pause de 5 petites minutes, le temps de laisser la petite musique douce vous enivrer les oreilles. On va voir si Brick est encore avec nous tout à l'heure. Et après, eh bien, on va partir sur Assetto Corsa. Donc préparez le jeu sur PC. On va essayer de trouver des lobbies ouverts. On va essayer de céder. Vous-même cherchez peut-être déjà des lobbies de course qui soient pas trop longs avec des voitures sympathiques. Pas de DLC, donc on va essayer d'avoir le contenu vanilla du jeu. On verra bien tout ça. Voilà, merci d'être encore avec nous parce qu'il est 2h10 maintenant dans cette nuit des abonnés. Vous êtes encore plus de 140, ce qui est... très honorable, je trouve. Et bah voilà, on se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite à tous et à tout de suite, messieurs. À tout de suite. À tout de suite. C'est coupé. La blague trop faite. Oui, le running ne marche plus, mon cher. Ah mince, j'ai raté le coche. Moi, je cherche un PDF.